manger mon gars à Louis. Ici comment me gérer. Ali raconte à ce jour, je ne veux pas le quitter. Même si les voyous, c'est mourir à moi. Ali raconte à ce jour, je ne veux pas le changer. C'est toujours les dettes de quoi comme ça. J'ai même vendu la voiture jusqu'à là, je n'arrive pas à toutes les éponger. Et le faux bailleur là, il vient aussi avec ses factures de 2 mois de loyer d'impayé. Je vais prendre l'argent où? La maison 450 000, facture d'eau et d'électricité 30 000. Je dis souvent à Gobika de ne pas trop utiliser l'eau ici, voici les résultats. Ça fait déjà 3 jours que je ne sors pas de la maison. Heureusement que je suis en congé. Et ce bailleur-là, il me cherche depuis. Il est obligé de me chercher comme ça pour son argent. Une petite fille. Non, je crois que j'éteignais seulement. Ok. Le bailleur est passé. Le bailleur, il devait passer. Toi aussi, ne fais pas ton camerounais. Quand on te pose une question, réponds directement. Comment tu peux répondre une question par une question? Toi aussi, tu n'as pas fait ta camerounaise. Le bailleur est passé, oui ou non? En tout cas, j'étais à l'intérieur. J'ai entendu quelqu'un toquer là. C'est sûr que c'est lui. Mais il m'a dit pourtant qu'il devait passer aujourd'hui. Va ouvrir. Kobikaï, pardon, pardon. Dis qu'on m'a pris en otage en Libye. Ou bien trouve que je suis allé en mission au Bangladesh, mais je ne peux pas sortir. Ça veut dire quoi? Tiens, écoutez, va ouvrir la porte là-bas. C'est quoi cette histoire de Bangladesh là? Kobikaï, c'est le bailleur. Je n'ai pas son argent maintenant. Je ne veux pas que tu augmentes la vitesse de circulation de mon sang. Va ouvrir la porte là-bas. Bonjour Coco. Bonjour. Mais où est ton père? Mon papa, non, il ne se sent pas très bien. Il a dû faire un tour à l'hôpital. Il m'a chargé de vous remettre ses reçus de paiement. Reçus de paiement? Oui, vos reçus. Et il vous remercie aussi d'avoir payé 3 mois de loyer d'avance. Donc il est vraiment... Ah oui. Ce n'était pas facile. Hein. J'ai dû me bagarrer pour trouver ça. Je lui ferai un coucou de ma part. Hein. Merci. Bonne journée. Bonne journée. Bye. Bye. Ciao. Ciao. Ok. Tu as payé le loyer? Je n'ai pas payé. Donc, t'as donné ta facture là pour rien. Quand je te demandais de me trouver le travail ici, tu disais que quoi? On va aller me draguer, machin. Mon monté s'est descendu. Ta femme ne doit pas se balader partout. Maintenant, j'ai fait quoi? J'ai payé tes 3 mois d'ailleurs. J'ai ajouté 3 mois sur ça. 900 000 que j'ai donné là-bas. Hé, ne souris pas trop, ne me montre pas tes dents. Tu vas rembourser mon argent. Ne pense pas que je suis parti donner ça là-bas parce que j'ai donné ça là-bas parce que je suis fatiguée de marcher. C'est tout le monde qui me regarde que voilà la femme de l'homme qui ne paye pas le loyer là. C'est pourquoi j'ai payé, c'est pour laver mon image. Donc bats-toi comme tu peux, tu me donnes mon argent, c'est avant la fin du mois. Avec, c'est mon argent de réunion. Donc je veux voir ça s'appeler ici là. 900 colos. Ouais, Adou, toi aussi. Tu sais que tu as le poumon de mon cœur, non? Je ne savais pas que le cœur avait déjà les poumons. Hein. Kakoute, laisse-moi la talakoula. Voilà les factures, c'est payé. Tu peux maintenant sortir. Parce que je suis que tu te cachais ici, même que même descendre là-bas, chez toi le pain le matin te dépasse. Tu peux maintenant sortir et faire ton beau gosse. Bon, chérie, laisse. Je vais te donner tout ce que tu veux. Je vais même ajouter le bonus sur ça. Toi aussi.